Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue en ce soir, ce jour de fête de la musique, pour ce merveilleux projet Playing for Philharmonie avec la Société Générale qui écrit une histoire de la musique amateur absolument extraordinaire et singulière. Bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous. Nous avons commencé avec Rimsky-Korsakov.
cet immense compositeur russe qui a écrit ce capriccio espagnol dont nous vous jouions de larges extraits. Alors nous allons continuer avec un autre compositeur russe, Borodine, qui était d'ailleurs un ami, un complice de Rimsky-Korsakov. Ils faisaient partie tous les deux d'un fameux groupe de 5 compositeurs. Et Borodine a écrit le Prince Igor. Alors le Prince Igor et ses danses, ses fameuses danses polovtsiennes, elles sont bien sûr une musique extrêmement populaire qui a été utilisée dans bon nombre de musiques de films ou de publicités, et une musique qui est très aussi rattachée à notre projet Playing for Philharmonie, puisque nous l'avions donnée il y a quelques années avec le chœur, et c'est pour ça, bien encore plus avec cette musique, que nous allons jouer en pensant à ces musiciennes et musiciens du chœur pour ces fameuses danses du Prince Igor de Borodine.
Après la Russie, eh bien, nous allons vous jouer le premier mouvement de peut-être la plus célèbre avec la 9e symphonie, la 5e symphonie, qui commence par cette espèce de geste musical absolument moderne. 4 notes, 3 notes répétées et 1 autre note. Que veut dire Beethoven quand il nous interpelle de la sorte? Eh bien, écoutez donc ce premier mouvement de la fameuse symphonie de Beethoven. Thank you.
un autre compositeur allemand qui, lui, n'est pas né sur les bords du Rhin, en Nordrhein-Westfalen, puisque Beethoven est bien sûr né dans cette magnifique ville de Bonn, tout près du Rhin, mais là, un autre compositeur qui a été, lui, influencé par les mers du Nord, puisqu'il naquit à Hambourg, dans l'Allemagne du Nord, Johannes Brahms, ce compositeur qui a mis tant de temps pour écrire sa première symphonie. On parle de 15 années de gestation. Bien sûr, il avait en tête, et c'était peut-être traumatisant pour un compositeur qui, de cette génération, au milieu du 19e siècle, eh bien, l'exemple beethovenien. Comment écrire une symphonie après les 9 symphonies de Beethoven ? Et Brahms n'en a écrit que 4, mais 4 magnifiques symphonies, et dont cette 3e symphonie, qui est une des plus populaires, et une aussi pour laquelle il a mis un temps extrêmement rapide pour l'écrire, comme si elle coulait naturellement de sa plume. Thank you.
Après s'être promené en musique en Russie, en Allemagne, eh bien nous allons maintenant, avec deux compositeurs français, c'est une soirée comme ça, de binôme de compositeurs. Tout d'abord, un grand compositeur dont nous célébrons cette année le centenaire de la disparition. C'est bien sûr Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns qui a composé multitude de musiques. Il est très connu, Saint-Saëns, pour une plaisanterie musicale, le Carnaval des animaux, mais aussi des œuvres comme Samson et Dalila pour l'opéra, des concertos pour piano, des concertos pour violon, de la musique de chambre en pagaille. Il faut écouter la musique de Saint-Saëns et la redécouvrir parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas de lui. Et puis bien sûr, cette œuvre, ce tube, la troisième symphonie, à la fin du 19e siècle, écrire une symphonie pour les Français n'est pas chose aisée. Il y a la comparaison de Beethoven, il y a la comparaison de toute la musique germanique. Et donc les Français, comme Saint-Saëns, essayent d'inventer un nouvel art symphonique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Saint-Saëns ? Saint-Saëns, il va écrire une symphonie, mais qui va faire entrer dans l'orchestre symphonique un instrument qui n'a d'habitude pas sa place, qui est un instrument qui est lui-même un orchestre à lui tout seul, c'est le grand orgue symphonique. C'est pour ça que cette symphonie s'appelle la symphonie pour orgue. Thank you.
Alors restons dans la musique française d'un compositeur bien vivant, ce grand compositeur de musique électronique, Rhône. Eh oui, vous allez me dire Camille Saint-Saëns et Rhône. Et Rhône, eh bien, c'est un peu la personne qui aussi a écrit l'histoire de ce magnifique projet de Playing for Philharmonie, puisqu'il a composé cette musique qui a servi pour la Société Générale dans une campagne de communication. Et à un moment donné, on s'est dit tous ensemble, mais il faudrait faire quelque chose ensemble, que cet artiste électronique avec son univers eh bien, puisse aussi rencontrer l'orchestre symphonique et que nous puissions eh bien, tous ensemble jouer cette nouvelle musique. Alors c'est arrivé ainsi qu'un jour nous sommes réunis avec les musiciens de Playing for Philharmonie avec des casques dans un studio d'enregistrement pour enregistrer la musique de Rhône. Il était là à quelques étages au-dessus à écouter la séance d'enregistrement avec ses machines à déjà transformer le son de l'orchestre et de sa composition lui-même. Et nous avons une version qui a été pour ce soir composée spécifiquement, donc une orchestration de cette musique Motion de Rhône que nous allons donc vous interpréter. C'est une sorte de création mondiale puisque je crois que cette musique n'a jamais été donnée en concert. Donc voici en presque fin de concert cette création de Rhône pour grand orchestre. Thank you.
Et comme c'était que des binômes, deux compositeurs russes, deux compositeurs allemands, deux compositeurs français, nous allons terminer ce concert par un compositeur américain, Leonard Bernstein, qui a écrit ce fameux West Side Story et dont nous allons vous jouer à présent le Mambo.